Yo tout le monde, c'est Monsieur Jack, comment allez-vous? Bah écoutez, pour ma part, ouais, ça va moyennement bien, mais on fait aller, tout simplement. Bref, aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme d'habitude, on est mardi, la voiture abandonnée, Need for Speed Payback, la numéro 39, si je me trompe pas. Voiture que l'on a déjà eue, donc on recommence la deuxième vague, donc là, c'est-à-dire qu'on retourne en arrière, la voiture abandonnée qui était la BMW la semaine dernière, c'était la dernière de la vague. Là, on recommence avec les voitures, donc. Des boss tout simplement, une nouvelle vague et après on peut-être qu'on ira sur d'autres voitures abandonnées. Et puis voilà, tout simplement, pour ceux qui ne l'ont pas, tant mieux. Puis bah, pour ceux qui y ont déjà, bon bah les gars, ça fera de nouveaux projets, tout simplement. Allez, à tout de suite pour la localisation, et après, comme d'habitude, et ben il y aura tout simplement deux trois petites choses que j'ai à vous dire. Allez, à tout de suite. Alors, pour la localisation, elle est plutôt simple. Vous allez aller en bas de la ville, tout simplement. Vous allez aller sur cette station-service là. Donc, je vous montre en gros la map. Tac. La station-service, elle se trouve ici. Vous avez simplement à faire ceci. Vous mettez un point, ça vous trace la route. Et après, bim! Elle est ici. Donc, une voiture qu'on a déjà eue sur la hauteur de la Katrina, il me semble. Enfin, bref. On se retrouve pour la, entre guillemets, personnalisation. On va regarder tout ça ensemble. J'ai 2-3 trucs à vous dire. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Donc, voici pour la deuxième fois la Nissan Fire Lady 240 ZG. Pardon, j'allais dire Egg. N'importe quoi. Enfin bref. Donc, elle n'a pas changé depuis la deuxième fois, la première fois, pardon. Alors, on va vite faire regarder. On peut customiser, pardon, le moteur. Ça n'a pas changé. On peut rien faire au niveau des réglages, de tout ce que vous voulez. On peut simplement mettre des néons, des fumées. Et point final. Enfin bref. Ça, vous le savez, c'est comme ça restera comme ça pour le moment. Enfin bref. Alors, ce que je voulais vous parler, c'est que vous savez que j'ai fait, entre guillemets, une vidéo remerciement dans les 10 000 abonnés. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je la mettrai à la fin de la vidéo dans les suggestions. Et j'avais dit que, arrivé octobre, je vais commencer à mettre un peu plus de vidéos en ligne. Donc, c'est-à-dire que je vais essayer de faire énormément de vidéos. Pas vous faire une vidéo par jour, parce que pour moi, c'est impossible avec mon boulot, et encore plus quand il va arriver un peu la période de décembre. Mais bon, l'arrivée de Forza Horizon 4, plus Need for Speed Payback, plus d'autres jeux, je pense que ça peut faire pas mal sur la chaîne. Et je pense que j'ai envie de vous demander tout simplement, sur n'importe quel jeu de voiture, est-ce que vous voulez ce que vous voulez comme vidéo? Voilà, c'est ça que je veux vous poser comme question. Qu'est-ce que vous voulez comme vidéo? Dites-moi. Je suis ouvert à toute proposition. Toute proposition de vidéo. Si c'est des vidéos que je peux faire facilement, ben je les ferai très facilement. Alors, pas de live pour le moment, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas du tout le temps pour faire des lives. J'aurais le temps, il n'y aurait pas de souci, mais là, c'est vrai que j'ai pas du tout le temps. Enfin bref, donc c'est vraiment ça que j'avais envie de vous dire. Dites-moi ce que vous voulez comme vidéo, parce que là, je vais essayer de carburer niveau vidéo. C'est-à-dire que le samedi, le dimanche et le lundi, voire aussi le mardi, vu que maintenant on est obligé, parce qu'il y a les voitures abandonnées, ça c'est le rendez-vous de ma chaîne sur Need for Speed Payback, c'est le mardi, donc ça changera jamais. Je pense, après bien évidemment, s'ils arrêtent les voitures abandonnées, je ferai autre chose le mardi en Need for Speed. Mais voilà, quoi d'autre vous dire que vous avez le choix, dites-moi. Toutes les propositions, je vais les regarder. Toutes les propositions, je vais les regarder. La vidéo FAQ arrive bientôt. J'en ai déjà fait un peu la moitié. J'essaye de voir s'il n'y a pas. En fait, si vous voulez, c'est une vidéo qui est très compliquée pour moi à faire, tout simplement. Par rapport à mes réponses, parce que je suis quelqu'un qui part un peu à gauche, à droite. Et c'est vrai que vous présenter une vidéo qui dure 3 heures, c'est pas du tout mon délire. Bah alors, pas du tout. Enfin bref. Donc, comme je vous ai dit, vous avez libre choix de me proposer vos propositions, que ce soit sur Need for Speed, sur The Crew 2 si vous voulez, sur The Crew 2 si vous voulez. Je suis prêt à me sacrifier et à retourner si vous voulez, pour rigoler tout simplement, parce que je ne ferai aucune vidéo sérieuse sur ce jeu. Vous le savez, je ne le porte pas forcément dans mon cœur ou quoi que ce soit. Mais voilà, je veux quand même, si ça vous fait plaisir que j'aille sur The Crew 2 simplement pour rigoler ou m'amuser, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Mais sachez que si on me demande pas, je ne le ferai pas. Voilà, tout simplement. Enfin bref, on va passer comme ça. On l'a assez vu celle-ci. Ça fait 2 fois qu'on l'a. Par rapport à ça, oui, on va parler vite fait des voitures abandonnées.
Là, ça va être redondant, c'est-à-dire qu'on va refaire le cycle des voitures abandonnées. Bon, je suis d'accord pour tous ceux qui ont fini le jeu maintes et maintes fois, qui ont toutes les voitures abandonnées comme moi. Je sais que ça peut, entre guillemets, vous lasser. Mais n'oubliez pas, si vous voulez aller voir ma vidéo où je parle tout simplement des voitures abandonnées qui ont été découvertes, c'est pas fini. Il y a d'autres voitures qui vont arriver et il y a des voitures qui n'étaient pas dans la liste qui vont sûrement arriver. J'ai pas plus d'infos dessus. J'espère en avoir, honnêtement, pour vous les balancer comme d'habitude. Et puis voilà, tout simplement. Donc, ne soyez pas déçus. Prenez ce que l'on vous donne comme acquis. Et puis oh, c'est beau ce que je viens de dire. Enfin bref. Donc, si tu as aimé cette petite vidéo, pardon, comme d'habitude, bah, lâche ton petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir si tu as quoi que ce soit à dire dans les commentaires par rapport à la vidéo. Et surtout, j'attends des commentaires par rapport à ce que vous voulez comme vidéo dans le mois d'octobre. Ça va carburer. Je vais essayer de faire au maximum pour vous faire plaisir. Enfin bref, la vidéo fait que ouais, j'ai tout dit, il n'y a plus rien à dire, tout simplement. Si t'es pas abonné à ma chaîne et que tout simplement bah, mon contenu te plaît, ou que ma tronche te plaît, bah, tout simplement, clique sur le petit logo pour t'abonner. Et puis voilà, c'était Monsieur Jack.